Votre chien tire en laisse, je vous explique un premier exercice très simple. Cette pratique consiste à ralentir, c'est un travail des jambes. Si votre chien tire en laisse, je vous conseille déjà de ralentir. Ralentir votre marche, ralentir votre vitesse de marche. Je vais vous expliquer comment pratiquer. Je suis Véronique Valli, guide en éducation canine et en comportement canin professionnel. Mais tout d'abord, je vous déconseille de vous arrêter quand votre chien tire et de le récompenser s'il revient vers vous. Cela lui apprendra sûrement à s'arrêter quand vous vous arrêtez, ce qui est très bien, mais c'est une autre pratique. Donc ça ne lui apprendra pas à ne pas tirer sur sa laisse quand vous êtes tous les deux en mouvement. Cet exercice du ralenti est une première solution pour vous aider avec un chien qui tire en laisse. Le mot que j'utilise est « tu ralentis » ou « on ralentit ». Quand votre chien tire, faites des demi-pas ou des petits pas à la place de votre amplitude de pas habituelle. Au lieu de faire un pas, faites-en la moitié d'un. Vous réduisez ainsi votre vitesse et celle de votre chien. N'utilisez surtout pas vos bras, ne tirez pas sur sa laisse. Ne raccourcissez pas la laisse. Cette technique du ralenti se pratique avec les jambes uniquement. Ralentissez votre allure. Il existe bien sûr d'autres techniques pour une marche en laisse, sans tirer et confortable avec votre chien. En même temps que vous ralentissez votre vitesse de marche, associez la consigne « on ralentit ». Pratiquez et parlez-moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater. Merci, à bientôt !